de Dieu que je peux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux me sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je peux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, ce divin berger. Ta présence, ce divin berger, par ta puissance prise sous main, ma résistance à tout jamais. Mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté, sois-en le maître incontesté. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, sauveur fidèle,
viens, moi caché. Bonjour et bienvenue, très heureux de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui pour partager encore un moment ensemble autour de la parole de Dieu, un moment pour écouter ce que le Seigneur a encore à nous dire. Même si nous ne sommes pas réunis physiquement tous ensemble, nous croyons que Dieu agit à travers ces vidéos et je voudrais en profiter pour remercier ceux et celles qui travaillent pour que l'on ait chaque semaine ces partages. Vraiment un grand merci et que le Seigneur puisse vous bénir. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible et nous ferons notre lecture dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, et nous lirons du verset 16 au verset 18. J'ai intitulé mon message « Être une source de bénédiction ». Dieu se sert de son Église avec ses différents ministères, de sa parole, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous parler et pour nous bénir. Mais Dieu souhaite aussi se servir de chacun d'entre nous pour que nous puissions à notre tour être une source de bénédiction, pour qu'on puisse à notre tour venir en aide, apporter un soutien, une parole d'encouragement à ceux et celles qui en ont besoin. Nous avons tous, à un certain moment donné dans notre vie, ressenti le besoin d'être soutenus lorsque les épreuves sont là, ressenti le besoin d'être consolé, encouragé lorsque le moral peut être au plus bas. Ou simplement la visite d'une personne lorsque la solitude est présente peut égayer notre journée. En relisant ma Bible et mes cours, je me suis arrêté sur le passage que je vous ai cité, où il est question d'un homme, d'un inconnu, si je peux le dire ainsi, qui a fait beaucoup de bien à l'apôtre Paul, alors que celui-ci était en prison. Un homme dont on a très peu d'informations, la Bible n'en parle qu'une seule fois dans cette épître, et pourtant, cet homme a eu un impact dans la vie, dans les derniers moments de la vie de Paul. Cet homme, peut-être que le nom ne vous dira rien, mais cet homme se nomme Onésiphore. Je vous invite à lire ce passage donc dans 2 Timothée, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Pour rappeler un petit peu le contexte, Paul se trouve en prison à Rome et il va écrire sa dernière lettre à Timothée pour l'encourager contre les persécutions qui venaient de l'extérieur de l'Église, mais contre les persécutions qui venaient de l'intérieur même de l'Église. Paul va donc exhorter Timothée à garder l'Évangile, à prêcher la parole, à tenir bon dans l'épreuve et à accomplir la tâche qui lui a été confiée. Cette période, on peut dire que c'est une des périodes la plus triste de l'apôtre Paul. Il est en prison, sans espoir d'être libéré, condamné à mort, puisqu'au chapitre 4 de cette épître et au verset 7, Paul écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course ». Paul sait que sa mort est imminente. Et alors qu'il est dans cette situation, l'apôtre aurait sûrement aimé avoir plus de soutien. Au verset 15 du chapitre 1er, il écrit « Tous m'ont abandonné ». Paul se retrouve seul, ses compagnons de route, ses compagnons de ministère l'ont tous abandonné, à l'exception de Luc et d'Onésiphore. Qui est cet Onésiphore? Seulement trois versets pour nous présenter cet homme. Un homme qui venait d'Éphèse, converti très probablement par l'apôtre Paul, lui et sa famille, lorsque Paul était à Éphèse. Un homme qui avait le sens du service et qui était prêt à aider.
Je me suis arrêté sur la signification de son nom, et son nom veut dire « celui qui procure un profit » ou « celui qui console, qui remonte le moral, qui donne un souffle nouveau ». Nous ne savons pas les raisons de sa visite à Rome. Peut-être que Onésiphore venait à Rome pour traiter des affaires personnelles, ou tout simplement était-il venu à Rome pour venir voir l'apôtre Paul en prison afin de l'encourager, afin de le bénir. Mais ce que nous savons, c'est que cet homme fut un réconfort pour l'apôtre. Au verset 16 de notre lecture, Paul écrit « Il m'a souvent consolé ». Paul ressortait rafraîchi. Il se portait mieux, avait une meilleure mine après avoir vu Onésiphore. Je me suis posé cette question et je me suis dit « Comment pouvons-nous être une source de bénédiction pour les autres ?» J'ai mis en premier par rapport à notre témoignage. Onésiphore avait laissé un bon témoignage à l'apôtre. Puisqu'à la fin du verset 18 du chapitre 1er, Paul écrit « Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » L'apôtre avait gardé un bon souvenir de lui. La Bible ne précise pas de quelle nature étaient ses services, mais Paul n'avait pas oublié ce qu'il avait fait pour lui à Éphèse. Le témoignage, et bien sûr qu'il faut rendre témoignage, dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mais le témoignage n'est pas forcément de parler tout le temps. Un des plus grands témoignages et un des témoignages les plus efficaces et qui fait énormément de bien à notre entourage, c'est notre comportement, notre façon d'agir envers les autres, notre attitude dans la vie de tous les jours. J'ai pris l'exemple de Joseph chez Potiphar. Genèse 39, verset 5 nous dit « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. » Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph. Dieu bénissait Joseph, et à travers cette bénédiction, Potiphar lui-même était béni. Nous devons être des imitateurs de Christ, refléter l'image de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1er, Paul écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » En tant qu'enfant de Dieu, il faut que notre entourage puisse voir que Jésus vit en nous. Il faut que notre entourage, il faut que notre attitude puisse avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Et pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes comme des arbres. Et d'ailleurs, la vie de l'homme, dans la Bible, est souvent comparée à un arbre. Le psaume 1er nous dit « Un arbre qui est planté près d'un cours d'eau et qui donne son fruit en sa saison. » C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, versets 18 et 20. « Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. » Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Nous sommes invités à porter du bon fruit autour de nous. On peut se comparer à des arbres et prendre cette image que lorsqu'un arbre produit du fruit, il ne le produit pas pour lui-même, mais il le produit pour les autres. Nous devons produire du bon fruit, du fruit capable d'en nourrir d'autres, du fruit capable d'en faire vivre d'autres, capable d'en faire grandir d'autres et capable de donner envie à d'autres et de donner la vie à d'autres. Galates 5, versets 22 et 23 nous parle du fruit de l'esprit. Et parmi ce fruit de l'esprit, nous retrouvons l'amour et la bienveillance. Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, a pu dire « Je suis le bon berger ». Un berger aime ses brebis, veille sur ses brebis et il prend soin d'elles. Nous devons avoir ces cœurs de berger afin de pouvoir aider ceux et celles qui en ont besoin.
Je me suis aussi posé cette question et je me suis dit, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour bénir, pour être une source de bénédiction? Nous vivons dans un monde où chacun regarde et cherche ses propres intérêts, sans forcément regarder celui qui souffre, celui qui en a besoin. Onésiphore va apprendre que Paul est en prison à Rome, et lorsqu'il apprend cette nouvelle, il va se rendre dans la capitale romaine. J'ai regardé la distance qu'il y a entre Rome et Éphèse, juste pour une petite information. Éphèse, c'est la Turquie actuelle. Il y a plus de 2 000 km par voie terrestre. Faire un tel voyage à cette époque et rendre visite à un prisonnier chrétien était loin d'être simple. Faire et rendre visite en plus à un prisonnier tel que l'apôtre Paul et être connu comme l'ami de l'apôtre Paul était très dangereux. Onésiphore aurait pu être arrêté et mis à mort. Mais Onésiphore va prendre ce risque et au verset 17, il dit, enfin Paul écrit, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Son souhait à Onésiphore était de rendre visite à l'apôtre, quoi qu'il en coûte. Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour encourager, pour consoler, pour soutenir quelqu'un lorsque celui-ci se trouve dans des moments difficiles? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Sommes-nous prêts à sortir de cette zone de confort pour être cette source de bénédiction? Nous avons l'exemple parfait en la personne de Jésus, qui a renoncé à sa gloire, au prestige, qui a renoncé à ses propres intérêts. Marc 10, verset 45 nous dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus s'est abaissé, la Bible dit, qu'il s'est dépouillé pour nous apporter le salut, pour venir restaurer, pour venir encourager, pour venir consoler l'homme perdu. Soyons donc ces imitateurs de Jésus. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prédicateurs, mais nous sommes tous envoyés du Seigneur pour raconter ce qu'il a fait dans nos vies. Chacun d'entre nous peut faire sa part, selon son propre style, par notre présence qui peut égayer la solitude, par une écoute attentive, par une prière de foi et de compassion. Nous pouvons tous nous trouver au bon moment, au bon endroit, pour bénir, pour encourager et pour être cette source de bénédiction. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Le Seigneur souhaite que nous soyons ces sources de bénédiction dans nos églises, dans nos familles, dans notre entourage, mais aussi dans nos villes, là où Dieu nous a placés, et que cette lumière puisse briller par Jésus-Christ. Je vais terminer en disant, soyons des Onésiphores, des hommes, des femmes remplis de sagesse, remplis d'amour, de compassion, afin de pouvoir venir en aide, afin de pouvoir consoler, afin de pouvoir être cette source de bénédiction pour les nôtres, mais aussi pour les âmes qui se perdent. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.